L'Assemblée des AQPS de l'Association nationale des AQPS 2021 a eu l'honneur de la présence du président de France Gallo en personne, Édouard de Rothschild, qui ici devant le panneau AQPS. Monsieur de Rothschild, alors déjà, qu'est-ce que représente pour vous et pour la France Gallo en général la notion d'AQPS et d'obstacle? Vous savez, c'est une grande famille du galop français. C'est naturellement une race de chevaux qui saute en obstacle, mais ça fait partie de l'ADN du galop en France. Vous avez annoncé des chiffres, on ne va pas résumer dans tous les détails, mais des chiffres du PMU qui montent, des allocations qui vont remonter. Vous êtes confiant dans le fait que ça puisse perdurer? Vous avez parlé que peut-être, d'ici un an ou deux, on retrouvera les niveaux qui ont été les maximums il y a quelques années. Vous y croyez vraiment? Je pense qu'en l'absence de situation sanitaire, d'une crise sanitaire, je pense qu'on est sur une très bonne tendance parce que les charges ont été bien maîtrisées dans l'ensemble de l'institution, pas simplement aux bornes du PMU, mais aussi de celles de France Gallo. Et donc je pense que les prévisions et le budget que le conseil d'administration a examiné récemment est très raisonnable et très atteignable. Et donc, naturellement, ça permettra d'augmenter les allocations sensiblement, aussi bien au trot qu'au galop. Et ce, sur une perspective, j'imagine que vous l'avez prévu sur 1, 2, 3, peut-être 5, même 5 ans? Oui, nous avons naturellement une trajectoire sur 3 ans au minimum. Alors, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des changements, mais notre sentiment, c'est qu'on est reparti vers une bonne tendance. Vous avez cité le fameux séminaire de l'obstacle qui s'est déroulé à la fin du printemps avec des conséquences concrètes. Alors, quelles sont pour vous les premières principales conséquences concrètes qu'on a pu observer? Par exemple, un certain nombre de conditions de course ont été changées, transformant certaines courses à conditions en courses de handicap, ce qui permet d'avoir pas mal plus de partants et donc d'augmenter sensiblement la recette et l'attrait pour les parieurs. C'est ce genre d'exemple, ainsi qu'un certain nombre d'autres, qui ont été mis en œuvre immédiatement après le séminaire. Il y a une histoire de programme aussi, on dédensifie, on décannibalise. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, ça veut dire que le calendrier des courses PMH entre elles et les courses PMH avec les courses premium, parfois, se font de l'ombre. C'est-à-dire que si vous avez des courses de même caractéristique ou qui s'adressent aux mêmes populations de chevaux et qui se courent en même temps, ça fait peu de partants partout et ça finit par frustrer tout le monde à chaque endroit. Donc on essaye d'optimiser ce calendrier, on y travaille beaucoup pour que les courses donne de l'espace, donne des opportunités à tous les chevaux et à toutes les populations de chevaux sans se gêner et sans se cannibaliser. Merci bien.